Ah, en fait, c'est une question très pertinente. Vous savez, parler de l'expérience de la gestion d'un haut cadre comme le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, pendant quelques minutes, c'est vraiment pratiquement impossible. Mais je vais tâcher de faire un effort pour vous donner le plus possible de ce que je connais comme un témoignage de ce grand homme que nous respectons beaucoup au niveau de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Il a pris la commande de la gestion de l'ICCN pendant une période très compliquée, une période où personne ne pouvait s'imaginer que l'ICCN pouvait encore faire surface, l'ICCN pouvait encore survivre. Mais grâce à sa capacité diplomatique, le DG a su réunir encore les partenaires, ramener le financement au niveau de l'Institut et ramener la gestion au niveau de toutes nos aires protégées, notamment les 5 sites de patrimoine mondial. Ça, c'est quelque chose, l'ICCN doit être très reconnaissant à cela, parce que nous n'espérions plus avoir ne fût-ce que quelques aires protégées qui pouvaient fonctionner, mais il a montré une capacité diplomatique de très 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 haut niveau. Pastor Cosma est vraiment un des grands conservateurs de l'Afrique. Il est un pionnier de la conservation. Quand il est venu, quand il a pris la position de directeur général, il a trouvé les parcs nationaux en état de fragilité au niveau de leur gestion. Et il a décidé de mettre en place les nouveaux mécanismes de gestion à travers les modèles différents, mais qui incluent également les PPP qu'il a accepté à signer avec certains partenaires de la conservation pour encourager les investisseurs de venir investir les fonds nécessaires pour relever beaucoup des défis. Et on voit une évolution extrêmement positive dans beaucoup des aires protégées que lui a mis sous cette forme de gestion. Le pasteur Dr Cosma Wilungula, Balongelwa. Moi, je dirais ceci. Il y a plusieurs années que nous sommes à l'ICCN. Et nous connaissons l'ICCN depuis que c'était, on a appris quand c'était ISSN et puis quand c'est devenu ICCN. Et il a pris place à l'ICCN comme le directeur général à l'époque, comme l'administrateur directeur général en 2005. Dans l'ICCN, c'était vraiment ce qu'on disait comme une institution de parents pauvres, parce qu'il n'y avait pas la vie. À cela, le pasteur, qui est aussi l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, et en même temps ADG à l'époque, il a pris bras record pour voir comment remonter la pente de cette entreprise, de cette institution qui était vraiment au bas de l'échelle. Et aujourd'hui, ce que les gens voient de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, les gens voient comment les aires protégées sont en train d'évoluer, c'est le fruit de management à un très haut niveau. C'est le fruit du leadership du docteur, pasteur docteur Cosma Wilungula. Mutazui, ICCN en 2005, akuti salonganam nakati a liste patrimoine en péril. Donc, ce qui coûte à Bunda Gité, n'est pas de. Namakamba pétrole n'est pas un bunda, et longue.
fierté autour ça na tourisme ce salonga salongo au deuxième puissance mondiale écologique yani mais ça fierté nous autour ya papa la biso parce que asa icône ya conservation moi ça rebombater hein les congolais arosa toujours na besoin na peut osa toujours quand na besoin na on les a la flatérité et ça est loco ngaité mais c'est l'UNESCO comité à patrimoine mondial et à UNESCO bah le bas qui clair suite il y a apport il y a savoir-faire il y a gestion il y a ICSN bah même qui amélioration et état conservation il y a Salonga depuis 2012 déjà première mission bayaki bah concerté qui déjà que amélioration il y a parc national à Salonga et suit déjà bah aboutissement. C'est pour cela qu'il fallait que déjà 2015, Balongola déjà parte. 2017, Balongola. Donc, comme en 2017, bah, il a largué le Kambaba, bloc pétrolier. Moussala Nyon, surtout, tout ça, qui n'a papa à l'époque, dans l'ICSN, tu as coupé le bandit en 2017 à zéro. Parce que la mission à 2005, tant que papa a joué, il fallait qu'il renforce la stratégie anti-braconnage, la sécurité de l'Obiana. Les lots, nous avons dit, suite à. Révérend docteur Pasteur Cosma, forêt Nabiso ya Salonga, Tozana 1600 éléphants de forêt, Tozana 15 000. Témoignage que je peux faire autour de la personne du docteur Pasteur Cosma peut se résumer en trois niveaux. Et le premier niveau, j'ai essayé d'avoir le temps de l'observer quand moi j'ai fait encore étudiant ou élève. Et il y a ce que je peux témoigner en tant que son étudiant et ce que j'ai retenu beaucoup plus sur lui comme mon chef au niveau du travail. Comme élève, bien sûr, il n'était pas mon enseignant, mais j'ai eu la chance de le côtoyer, de vivre avec lui. Et il m'a inspiré de beaucoup de choses. En tout cas, ça a été pour moi un modèle du respect même de l'éducation. Son comportement, sa façon de vivre, sa manière d'être m'a façonné pour être peut-être à une grande partie ce que je suis. Il est vrai qu'il est difficile de copier textuellement une personne, mais il nous a inspiré comme un modèle. Il est humain, il a des faiblesses, bien sûr, mais ses qualités m'inspirent beaucoup. Et ses qualités, surtout son amour à la science et au professionnalisme, m'avait caractérisé et commencé à m'orienter, même quand j'étais encore à l'école secondaire ou même à l'université. J'ai compris de lui que quelqu'un peut émerger, non seulement parce qu'il s'est rangé derrière les idéologies ou les visions, ou il s'est accroupi derrière les gens de sa tribu ou de sa province, mais j'ai réalisé que la relation était une grande richesse. On peut réussir à partir d'une relation fondée sur des bases solides et sincères avec n'importe qui, qu'il soit de loin, qu'il soit de quelle race, mais cette relation peut vous amener à la réussite de la vie sans que ce ne soit pas quelqu'un de ta famille. Et j'ai toujours pensé qu'à partir de son expérience, ce que j'avais vu chez lui, qu'on peut vraiment réussir la vie sans s'agenouiller seulement sur les principes de la famille ou de la communauté. Puisqu'il m'a été vraiment un modèle à ce niveau. Ces relations qu'il a eues, qui l'ont permis à émerger, en tout cas, de tout le temps que nous avons eu à vivre avec lui, ce ne sont pas des relations qui étaient fondées sur une certaine communauté, mais ce sont des relations qu'il a lui-même presque taillées. C'est pourquoi j'ai toujours dit que c'est un monsieur qui a émergé presque de lui-même en comptant sur son Dieu. Puis c'est ça, ça a toujours été vraiment le slogan dans toute sa vie, dire « ne comptez pas sur les hommes, il faut compter seulement sur Dieu ». Et c'est pourquoi, sincèrement, ça a toujours façonné ma vie pour dire « je ne compte jamais sur les gens ». J'ai toujours pensé que les gens sont un pont sur lequel je peux passer
pour accomplir ou répondre à la volonté divine. Et ça, c'est vraiment la vision du pasteur Cosmo. La deuxième phase, c'est, je l'ai connu comme son étudiant. Il m'a enseigné en deuxième grade à l'Université de Kinshasa. Et j'ai trouvé en lui un monsieur, un homme très scientifique et intelligent. Il est vrai que l'intelligence, c'est un apanage un peu, quelque part, c'est héréditaire, il faut le dire clairement. Mais c'est sûr, tu n'as pas été intelligent, il est difficile qu'il y ait des enfants qui soient intelligents. Peut-être que s'ils peuvent tirer, c'est la maman, mais c'est l'intelligence qui les caractérise aussi. Même la manière d'enseigner, à ce moment-là, il n'était pas encore docteur, il n'était pas encore professeur, il était chef de travaux quand il m'a enseigné. Et c'est ce qui nous avait même poussé à lui faire pression pour dire « Mais pourquoi tu ne peux pas défendre la thèse ?» Il maîtrisait la matière, il enseignait. Vraiment, il n'y avait pas de différence. La seule différence, c'était les papiers. Pour dire ceci, c'est un docteur et l'autre, c'est un chef de travaux. Donc, c'est un professeur ordinaire ou associé, mais lui est encore chef de travaux. Donc, c'était seulement ça la différence. Vous sentez la manière de transmettre le cours et qu'il y a une maîtrise, un monsieur intelligent qui vous enseigne et qui a les soucis que vous puissiez aussi connaître ce qui lui connaît. Moi, je connais le directeur général de l'ICSN à partir du moment où il était passé pour la première fois me rendre visite quand j'étais encore chef de secteur de Tchabirim dans le parc national de Virunga. Et j'avais été très ravi de sa visite parce que depuis sa nomination, c'était la première fois que je puisse le voir physiquement. Et cela m'avait beaucoup donné de plaisir. Malheureusement, j'étais malade et il n'a pas pu visiter les gorilles. Et il avait promis de revenir un jour. Et ça, c'était déjà pour moi un début de témoignage que disait qu'on avait un nouveau chef de la direction générale de l'ICSN à Kinshasa qui aime beaucoup le terrain. Et le problème qui se pose, c'est que pendant son règne, il y a eu beaucoup de difficultés au niveau des aires protégées. Et le cas du parc national de Virunga avec plusieurs attaques. Et là, j'étais sur place au Virunga. Et nous avons constaté que le DG était un homme qui écoutait beaucoup plus. Parce que les morts au sein du personnel, ça lui préoccupait beaucoup. À chaque fois qu'il y avait des décès, il était toujours présent. Il venait compatir avec les éco-gardes. Donc ça, c'est ce courage-là. Lui ne recule pas. Malgré l'insécurité qu'il y avait dans le parc, il venait toujours. Aussi, il écoute bien le personnel. Parce qu'à un moment donné, moi j'étais ici au rang du chef de site et on s'était rencontrés à l'extérieur du pays et il me dira « Monsieur Kyungu, est-ce que tu peux accepter d'aller travailler hors le Nord Kivu, en dehors du Nord Kivu ?» J'ai dit « Oui, nous sommes appelés à travailler partout. » Et c'est à ce moment-là que je suis nommé chef de site de la réserve naturelle d'Itombwe, au site Kivu. Et aujourd'hui, maintenant, je suis encore au parc national de la Maïko. Et donc, je crois que dans son parcours comme directeur général de l'ICSN, il est un homme qui écoute bien et qui veut toujours résoudre les problèmes qui se posent au sein du personnel, au sein des parcs nationaux et réserves apparentées. En tant que pasteur, vous trouvez en lui une qualité d'un papa qui conseille, un conseiller. Il écoute, il vous conseille et il vous oriente. Ça, c'est vraiment un témoignage que je peux donner à son égard. Et je pense que parmi les directeurs généraux qui sont passés à l'ICSN, il est un directeur général qui a fait beaucoup de voyages, de tourner dans les aires protégées. Et là, ça montre qu'il était affecté, qu'il était beaucoup plus amené à être proche des aires protégées.
qui ramenait l'Union européenne, ramenait la Banque mondiale, ramenait l'USAID, jusqu'à accepter à financer les aires protégées pendant la période où il y avait trop de conflits, ce n'était pas chose facile. Et ça, nous le reconnaissons. Et en dehors de cela, il a montré une capacité de la gestion du personnel à un niveau très élevé. Moi qui vous parle, j'étais conservateur principal quand nous avions été, quand il a été nommé, mais il nous a permis de faire des formations, même à l'extérieur, jusqu'à ce que nous puissions atteindre le niveau que nous avons. Donc, nous sommes très reconnaissants à cette capacité de gestion du personnel. Il est donc quelqu'un qui est prêt à prendre un risque. Et on constate également que là où il a pris les risques, le résultat est quand même extrêmement encourageant. Les parcs qu'on trouve aujourd'hui sont complètement différents. Il y a une nouvelle dynamique qui a été mise en place. Beaucoup des défis qu'on avait connus avant sont relevés. On trouve réellement des avancements extrêmement importants. Il a donné une valeur, il a donné une visibilité, une raison d'être à la conservation au Congo. On ne peut pas exagérer. Dans les domaines de la conservation, je peux dire que c'est un don de Dieu pour la RDC. Parce qu'on ne pouvait pas parler de l'approche actuelle de la conservation en RDC sans faire référence à celui qui est le pilote aujourd'hui. C'est lui qui a fait à ce que, malgré les conditions étaient extrêmement difficiles pour les décollages de cette institution, qui n'avait même pas de frais de fonctionnement, que les agents ne savaient même pas comment nouer, je peux dire même pas les deux bouts du mois, mais même dans les quinzaines du mois, où rien ne fonctionnait, les aires protégées, il n'y avait pas de financement, il n'y avait rien du tout. Mais il a si remonté tout cela avec son savoir-faire, avec son management, avec ses réflexions. C'est pourquoi vous allez constater aujourd'hui la RDC sur les domaines de la conservation en Afrique. Nous sommes à la hauteur et nous sommes presque à la tête. Et au niveau mondial, la RDC est aussi au top. Parce qu'aujourd'hui, il nous a fait quitter les approches anciennes de la conservation. Il a innové avec d'autres types de gouvernance. Aujourd'hui, on a le partenariat public et privé. C'est ce qui a permis à ce que d'autres aires protégées survivent aujourd'hui. Que d'autres aires protégées aujourd'hui commencent à être des moteurs de développement. C'est pourquoi aujourd'hui, d'autres aires protégées commencent à devenir comme vraiment le pourvoyeur des emplois dans des milliers, dans des zones où ça se trouve. Et les communautés bénéficient à cause de ce management. Et dans ce partenariat public-privé, là où il n'y a pas le fonctionnement de l'État, mais il a su faire des contacts, des lobbyings, des coopérations. Aujourd'hui, vous voyez comment la communauté internationale se presse pour venir appuyer nos riches biodiversités. C'est à cause de ce management. À part, il y a Pasteur Cosma. Ma bien, on a un biso to ebite, mais biso to monika bolam. Na banzi, ezana ba réalité, ba réalisation ebele, o e salami, na moi, na ba village, aux entours, il y a ba parc, il y a réserve, il y a Lomako, na parc, il y a Salonga, moi, ba construction, et puis, réfectionnement, il y a ba bâtiment, il y a quatre ba parc. So, ta il Lomako, il y a qui pena ba paille, hein? Bandele wana melelo so ko ku tabanda kwa matériaux durables et ça œuvre ya Pasteur Cosma so ke lelo na Virunga ku ta ba barrage ku ta lelo ba nini passe na zaki na Virunga
okuta batia ba clôture électrique oyo eza ko empêcher que nyama longo awa abima na place mususu c'est même mana na salonga oké na ba village oyo ya ba riverain okuta que non il y a déjà des projets et puis des projets à long terme musala ya papa na biso ezalaki ya ko wanga na te. Le troisième niveau peut-être de ce que je peux témoigner sur lui, c'est sur le plan professionnel. Là, je peux dire beaucoup de choses puisque j'ai eu la chance de venir presque au même moment avec lui à l'ICCN, quelques 2, 3 ou 4 mois après lui. Mais j'ai trouvé l'ICCN vraiment à la phase embryonnaire, embryonnaire par rapport au développement. Mais c'est une très ancienne institution qui a commencé même des années 1925 avec la création du parc de Virunga. Mais c'est une institution qui a émergé dans le silence total. Même moi, quand j'étais encore étudiant ou élève, je ne savais pas qu'il y avait une institution qui gérait les parcs nationaux. À l'examen d'État, on nous demandait ce parc peut être trouvé dans quelle province. Vous dites Virunga, on connaissait Nord Kivu, on connaissait les parcs. Mais on ne savait pas qu'il y avait une institution qui était chargée de gérer ces parcs-là, qui est l'ICCN. Mais aujourd'hui, avec le pasteur Cosma, même un enfant peut te dire l'ICCN. Moi, je me dis que c'est la première réussite qu'il a fait sur le plan professionnel. Il est vrai. Et ça, c'est ce qui est visible auprès de tout le monde. Vous pouvez faire même les cours baladeurs à Kinshasa. Au moins, tu peux trouver quelques personnes qui vous disent ICCN, non. Et j'ai la cabane à Mawana, donc on connaît quand même ICCN maintenant. En tant qu'homme, en tant que leader, c'est quelqu'un qui écoute d'abord. Il est là qu'on a besoin de lui. Il nous encourage, il a une sagesse. Il sait comment donner les bonnes orientations. C'est un plaisir de travailler sous son leadership. On est venu de loin, mais les avancées qui ont été réalisées pendant les dernières années sont vraiment extrêmement encourageantes. Sont à féliciter et à reconnaître qu'en tant qu'individu, sa contribution sur le plan national, mais aussi international, est extrêmement importante. C'est à cause de ses leaderships qu'il a fait tout, il s'est sacrifié. Il a mis toutes ses énergies, toute son intelligence pour concevoir ces approches-là. Aujourd'hui, avec le PPP, on ne pouvait pas tout toucher. Il a innové encore. Il y a aujourd'hui, on a des approches aussi de partenariat, de co-gestion. Des co-gestions entre l'institution financière qui appuie ou l'institution technique qui appuie les aires protégées. Ça, ce sont des ONG internationales et l'ICCN comme entité de l'État congolais. Et nous congérons ensemble. Et l'autre partenaire, qui est l'institution, l'ONG internationale, il fait tout pour mobiliser le fonds, mobiliser de financement à contribution avec le concours de celui que j'ai dit toujours que c'est une bénédiction pour Dieu. La grâce de Dieu qui a donné à l'RDC de nous donner quelqu'un qui se sacrifie, qui donne son corps et son âme pour préserver ces riches biodiversités. Avec la co-gestion, ça permet à ce que l'État congolais reste dans ses prérogatives régaliennes de la lutte anti-braconnage, de la biomonitoring, des recherches, et les autres nous appuient et les aires protégées continuent à vivre. Il y a 1600 éléphants de forêt, il y a 15 000 bonobos, où il y a environ 50% du monde.
namusala munene oyo papa salaki mais de 90 ti 2005 tango azwi oyebi ke 90 Congo elekaki na ba état ba rébellion makambo belebele braconnage oyo salonga tozwaki ezalaki ko sakana te nyama ekendaki mais lelo oyo nazoi disabino non sifo nazolo bezangate c'est l'UNESCO na rapport naye et c'est ça evro mutoko ko wangana l'UNESCO lobi ke suite à savoir-faire na ya ICSN Congo a démontré preuve naye ya kozala deuxième puissance écologique c'est pour cela l'UNESCO a retiré parc national à Salonga na kati ya ba patrimoine mondial en péril biso ba chef ya Tchouapa biso ba chef ya Congo biso ba communauté ya ba forêt to pesa ki na tata na biso ya ko pesa e pona ko lakise ke solo biso toza toujours naye. Nous savons que tout homme a des points positifs, mais il ne peut pas manquer aussi des points négatifs. Et le seul point que moi je peux souligner très honnêtement, nous en tant que paramilitaires, nous savons que la discipline est la mère de notre fonctionnement. Et notre DG, il use plus de sa notoriété d'homme, d'un serviteur de Dieu, pour nous pardonner parfois certaines fautes que nous-mêmes nous savons que ce sont des fautes qui peuvent nous ramener en dehors de l'institution. Sur le plan purement paramilitaire, nous pouvons dire que c'est un défaut. Mais de l'autre côté, sur le plan humanitaire, c'est quelqu'un qui a prouvé qu'il est un père de famille. Donc il nous a réunis, il nous a donné cette possibilité de continuer à survivre, à travailler et aller même en dehors du pays pour prouver que nous avons la capacité de gérer, même en dehors de notre pays. Donc vraiment, ça c'est un petit témoignage que je peux donner de lui. Nous savons qu'un homme ne peut pas rester éternellement, mais je sais qu'il a formé des gens. Même s'il ne pouvait pas, il ne peut pas être avec nous demain, mais il y a des hommes qu'il a formés, qui peuvent prendre la relève et parler à son nom, continuer avec les traces qu'il nous a montrées.